Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le troisième épisode. Et du coup, oui, c'est bon, j'ai un caillou. Combine, toc et toc, parce que là, il y en a un petit peu marre. Hop, voilà. Parce que là, j'en ai un peu marre et j'ai envie de leur casser la gueule. C'est des lapins en tout cas. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Voilà. Bon, en termes de mur, je vais faire moins grand. Hein, parce que... On va faire moins grand. Puis on pourra toujours allonger plus tard. Ah, il en faut 73 au lieu de genre de 150 quoi. Par contre, je vais crever si je mange pas. C'est un lézard ça? Viens ici. Une barre là à manger. On va déjà manger ça puis on verra. On va se mettre ça en petite armure. Toc, alors là-dessus, il faut mettre ça et après ça fait de la viande séchée. Ah là, il y a des baies bleues, on va pouvoir les manger. Donc là, l'objectif, ça va être de s'installer parce que il y en a un peu marre là de crever comme des merdes à chaque fois. Bah, deux épisodes où on crève. Et ils ont vraiment augmenté la difficulté, je peux vous assurer, parce que là, il va vraiment falloir leur apprendre le respect. J'ai l'impression. J'ai perdu mes deux bûches qui sont tombées, je sais pas où. Ils sont là. Attends, tu veux faire vite? Attends, on a de la TNT, enfin de la dynamite. Ouais. Je le mets où? Là? Bah où il y a plein d'arbres, ouais. Là? Voilà! C'est comme ça qu'on fait les bûcherons. Bûcherons de l'extrême. Des amateurs à côté de nous. Ils vont en prendre le respect, moi je vous le dis. Oh putain, il y en a qui arrivent. Je te pense. Oh, viens, 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 viens. Voilà. Fermons la porte de cette cabane. Sauvegardons aussi. Ça évitera de recommencer encore et encore. Oh putain. Elle tape à la porte. Et elle arrive à me toucher. Il est là? Ouais. Ça a tapé à la porte. Vous allez vite comprendre pourquoi je fais des murailles autour, pourquoi je me fatigue autant à vouloir faire un camp fortifié. Parce que là, cette saloperie, elle m'a vu. Hein.
m'a grillé de toute façon. Elle est tapée dans la porte. Elle va trop vite. Pourquoi tu tapes dans le mur, toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Putain, le truc il est même pas construit, qu'elle me l'a déjà à moitié pété là. Il faut attendre le jour. Ouais, et j'ai un peu de son sur les mains encore. Là, on peut pas trop se permettre de se balader dans la nuit encore, chose Non. qui est bien. On peut pas se permettre du tout même. Bon, je fais une un petit peu d'armure avec mon lézard. Ouais. Enfin, je pense que l'armure là va prendre toute son utilité en fait. Ouais, je pense, ouais. Ça va être un peu long la nuit par contre. Hein. Je serais peut-être même tenté de faire une coupure. Ouais, il va rien se passer de spécial. Ouais, bah on va faire une coupure pour ce troisième épisode et on se retrouvera quand le jour va arriver, parce que là, à mon avis, on va juste essayer de se planquer et il va bon, pas voilà. se passer grand chose. La nuit est passée, je suis en train de crever de la dalle, j'ai plus de stamina. Pareil, il va falloir que je fasse un bain. Là, je vais prendre un soda. Il y a un lézard sur le truc, si tu veux. Ouais. J'en avais mis un aussi. Et j'en remets un. Je vais faire un bain. Moi, il faut que j'aille me laver. Absolument. Boire ici. Putain. Oh, évidemment, je vais boire, je me fais agresser. Par contre, faudra m'expliquer pourquoi j'arrive pas à le frapper là. Ils sont deux, putain. Ah non, mais non, mais c'est pas possible, on va encore crever. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Non mais c'est fou ça. Bon, ça va, on s'en est tiré. Enfin, moi j'ai presque plus de vie hein. T'as des médocs? Non. C'est pas où que j'ai fait péter déjà? Je ne rappelle plus où j'ai fait péter les arbres et la dynamite. Oh là là, et puis ça hurle en plus. Ah bah, et on avait... Ah, faut que je refasse péter. Moi, j'ai plus de vie, hein. Bon, bûcheron de l'extrême. Réussi à faire un médoc. Non, finalement ça marche pas. C'était pas un médoc que j'ai fait là. Oh, un truc d'énergie à mon avis, t'as fait. Ah ouais. Peut-être. Il faut de la aloe vera. Bon, en mangeant lézard, tu devrais reprendre la vie. Ouais, mais pour l'instant, il est pas mangeable. Ah, attends, ces petites fleurs, elles m'ont redonné un petit peu de vie. On va manger des fleurs.
Non, non, enculé, enculé, enculé. Putain, ils sont balèzes maintenant les Gollum. Hein. Je suis mort. Ah putain. Je vois même pas où t'es. Ah ouais, là-bas. Ah oui, il y en a un qui va venir m'agresser là, un Gollum. Bon, je suis mort, mort, mort. Merde. Ah, et puis moi, je pouvais pas essayer de te réanimer sans l'avoir buté parce que sinon il m'aurait flingué. Attends, on est obligé de se planquer quoi. J'essaie de revenir. DB. Bon, je vais tout perdre, mais grave, c'est le risque du métier. Ouais, bon, y a un camion qui passe, je sais pas si on l'entend, mais ouais. Moi, je l'ai entendu en tout cas. C'est pas, c'est indépendant de ma volonté. Et bah, take là. Bon, j'ai retrouvé de la corde. Hein. Boum, boum. Par contre, je sais pas où ils sont tous les arbres que t'as fait péter. Ah là. Du sang sur les mains, putain. C'était pas aussi galère que ça la première partie qu'on a faite, hein, je vous le dis. C'était même plutôt trop facile, je trouvais. Ouais, on a réussi à s'installer tout vite fait. Bon, on a subi quelques attaques par moments un peu compliquées. Mais dans l'ensemble. Ça s'était fait plutôt tranquillement. Bah du coup j'ai perdu mes dynamites. Hein. Ça c'est dommage. Que c'était plutôt pratique pour péter les arbres comme vous l'avez vu. Et donc là vous, je pense que vous pouvez commencer à comprendre. Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi on se fait chier à faire une muraille? C'est pas possible, il y a un gollum qui m'a tué. Encore? Merde. J'ai pas réussi, il contre maintenant. Donc là j'ai tout perdu. Ouais bah ouais, parce que moi j'ai pas réussi à le frapper. Avant il tombait facilement, puis là. Bon. C'est un peu la partie du fail hein, quand même. Hein. Oui. Ah là là. J'espère que ça va s'améliorer à un moment parce que là. Là, même dans les villages de Cunu, tu trouves des gollums. Ils ont pas pris de respect, les gollums ils ont pas pris de respect aux autres. Hein. Non. Mais je le tabassais bien et tout d'un coup je sais pas. Pendant que je tapais, il m'a tapé. Ouais maintenant ils arrivent à contrer, tout à l'heure j'arrivais pas à le toucher moi l'autre. Ça sent pas très bon ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va croiser des gollums on va se faire buter quoi.
Ouais. C'est pas terrible, cette histoire. Bon, j'ai retrouvé ma hache. Le gloom est parti. J'ai En pas de médoc. vacances. Oh, il est là. Coucou, moi je veux pas. On est pas si loin que l'avion. Hop, on va mettre ça en armure. La viande. On va la mettre là. Voilà, on va manger celui-là. Ah, t'es là. Ah merde, j'ai raté le lapin. Bon. Du coup, les murs ont quand même bien avancé avec la dynamite. C'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est vrai que ça rend le truc compliqué quand même. Hein. C'est un peu compliqué, compliqué. Par rapport à comment c'était au début. Il va falloir qu'on. En fait, c'est juste le temps qu'on retrouve une technique à les tuer, quoi. Avant on avait la technique pour les tuer, et là comme ça a changé, il faut retrouver la technique pour les. Ouais. Ouais. Puis bon, quand on aura une muraille et tout, ce sera un peu plus facile, on sera protégé quand même. Une muraille avec plein de têtes sur des pics autour. Ils vont apprendre le respect quand même. Je suis pas d'accord, moi. Voilà, bon, j'ai posé un piège déjà. Un piège pour la bouffe. Et ensuite, je poserai des pièges à connards. Donc, les pièges à connards, c'est facile. Ce sont des pièges pour flinguer ces têtes de cons. Je peux vous dire que c'est relativement efficace quand ils marchent dessus. Ils les prennent en pleine gueule. Et ça les transperce partout. Allez hop. Ils vont m'entendre rager dans 2 secondes. Pourquoi? Bah quand j'ai été mort par le gloom. Ah oui. Non, je croyais que t'étais encore en train de te faire attaquer. Bah oui, j'ai. En train de me faire attaquer. Et j'en suis mais. Encore coup, là Non, mais tout à l'heure. Alors que j'avais plus de trucs dans le corps que où j'étais mort avant, et du coup, bah ça a perdu tout le loot d'avant. Ouais, bah oui, parce qu'en gros, si vous mourrez, vous pouvez récupérer des choses de votre inventaire précédent. Mais si vous mourrez encore en allant le chercher, bah c'est mort. Hein. Le premier inventaire, il est foutu. Hein. Une araignée, mais les araignées on peut rien en faire. Donc, c'est comme les écureuils en fait, il y a des écureuils aussi, mais les écureuils. On peut pas en faire grand chose. Tu sais que quand t'es passé, je me suis dit putain, il y en a encore. Hein. On a des murs qui sont déjà à moitié pétés en plus, hein. Ouais, je sais pas comment ça se fait.
Bah, il y en a un qui est venu taper dedans, certainement. Bon, c'est pas très palpitant ces premiers épisodes, hein, mais. Quoique, il y a eu de la baston, il y a eu des morts. De la frustration, Il y a eu de la beaucoup de morts. rage. Ouais, on a un peu ragé, mais. C'est vrai qu'au début, c'est un peu. On va pas dire chiant, hein, mais bon. De se faire buter comme ça. Gratuitement. Ouais, ça fout un peu les boules parce que vous avez déjà, il n'y a pas beaucoup de ressources au début, mais alors le peu que vous avez à chaque fois vous vous faites buter par ces connards. Ça fout un peu les boules. Je récupère un peu de stamina au cas où on se fasse attaquer. Et 8, 2 arbres. Je vais couper 2 arbres. Tout, 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 tout. Il faut que je surveille le temps parce qu'on a une première partie du coup. Bon, attends, on finit la grande muraille. Ouais, Il non, non, reste. mais de toute façon, on est à 14 minutes là, plus... et avant on était à peu près à 5-6 minutes, donc... Voilà, mais c'est juste que l'objectif c'est de pas faire des épisodes trop longs non plus. J'ai suffisamment de bûches là pour finir. Une trentaine de minutes, c'est bien suffisant. Entre 25 et 30 minutes, moi ça me paraît bien. Et voilà. Et voilà. Alors attends, je vais essayer de placer une porte. Je pense que comme ça va le faire. On a, c'est une bûche, voilà. Et là, peut-être que le banc il est un peu proche du bord, mais attends, je sais comment je vais faire. Évidemment, il va me faire chier lui. N'hésitez pas, si vous y jouez, à nous donner des conseils aussi. Ouais, aussi ouais, parce que c'est vrai que nous on fait ça comme ça, mais Oh putain, il y a un gollum là-bas. Il m'a vu. Ce qui est fou, c'est qu'avant on allait les chercher quand on les voyait passer, nous dans notre partie, on allait carrément les chercher, et là quand on les voit, on recule. Péter la moitié des murs. Ça, c'est parce qu'on s'est tapé à côté du mur, ça. Ouais. Ah putain, j'ai du sang sur les mains. Ça, c'est un peu la misère, ça. Mais bon, faut penser à se nettoyer. Du coup, il m'a déconcentré, ce con. J'étais en train de faire un truc là avec un arbre. Ça, il reste deux bûches. Allez, je coupe le dernier. Je vais installer des pièges. Hein. Ah, il y en a encore des gollums là. Putain, ils m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu cette fois. Ils étaient deux, donc tant mieux. Bon,
Bonne chose de faite. Voilà, c'est déjà un peu plus sécurisé. Moi, j'ai un lézard encore à placer là-dessus. Toc. Puis ça évite aussi de faire du feu et de se faire repérer. Alors, il y a mon téléphone qui a sonné, je sais pas si on l'a entendu. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi tu me mets un coup de patte sur le bras? Oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai un chat qui m'agresse. C'est bon, le feu, il est fait, hein. Ok. J'avais les cailloux qui manquaient. Non, non, tu vas faire une connerie, toi, par là. Je suis désolé. Bon, c'est comme à toutes les vidéos, je me fais agresser par un des chats, forcément. Hop. Bon, voilà. Déjà, on se sent un peu plus en sécurité, là. Il faut 9 sticks. C'est déjà un peu mieux. Ouais, bah, j'en ai pas beaucoup sur moi. Qu'en penses-tu de sauvegarder? Ouais, c'est ce que je vais faire. Non, je voulais pas choper la bûche. Slot 3. Toc, voilà, c'est bon, c'est sauvegardé. Pour l'instant, la bûche, on va l'acheter ici. Du coup, l'autre, il m'a pété mon armure, hein. Je vais aller voir si mon piège il s'est déclenché là-bas. Ah non, il n'y a rien qui passe dedans. Je pense que par ici, ça va être un peu plus dur d'avoir des animaux. Voilà. Et puis pendant qu'on y est, hein. Par contre, il n'y a plus de respect, moi je te le dis. Il faut 16 sticks. Ils vont venir me faire chier. Ils vont venir me faire chier, ok, mais... À quel prix? On va faire une effigie tuning. Voilà. Alors, ça apprend le respect comme ça, devant la porte. Faucistique. Allez, on va bientôt arrêter cet épisode 3. Je finis juste mon. Tout ça, c'est des rangements en fait, hein. Rangement à stick, rangement à cailloux, rangement à bûches. C'est simplement du rangement, mais ça peut être très pratique, comme ça vous en avez toujours en réserve. C'est juste que là, il y a des rondins là, ça serait dommage qu'ils disparaissent. Ouais. Hop, voilà. Bon, la nuit arrive en plus. Mais on est déjà un peu plus en sécurité que les nuits précédentes. C'est déjà pas mal. Après, il faudra installer des pièges. Et puis quelques renforts autour de la muraille encore. Des pièges d'animaux un peu partout aussi, Ouais, pour tenter aussi, ouais. plus de chance, vu qu'il y en a moins. De toute façon, ils ont dit dans la mage qu'ils en mettront moins d'animaux. Ouais. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour ce troisième épisode. On se retrouvera dans un quatrième. Salut à toutes et à tous! Salut!